beaucoup, monsieur. La parole est à monsieur Bompard. Merci, monsieur le président. Cette loi est dépassée et mon intervention a pour but d'interdire toute possibilité de recherche sur les embryons humains et les cellules souches embryonnaires parce que l'état de la recherche rend inutile cette utilisation de l'embryon qui méprise le vivant comme le veut le matérialisme qui submerge notre société. En effet, dans le compte-rendu des travaux de la Commission à la question de l'alternative parfaite que représentent les cellules souches adultes reprogrammées, Madame le rapporteur affirme « l'alternative est un faux débat, tous les scientifiques que nous avons auditionnés l'ont confirmé ». Disant cela, elle refuse à l'éminent professeur Alain Privat le statut de scientifique. Alain Privat dénoncera d'ailleurs lui-même ce mensonge la semaine suivante. La réalité, c'est que par leur reprogrammation, les cellules souches adultes retrouvent la pluripotence caractéristique des cellules souches embryonnaires, que de plus, elles sont d'une efficacité supérieure aux cellules embryonnaires, car elles remédient aux nombreux problèmes de rejet post-greffe, jusqu'alors inévitables, et se révèlent en plus moins tumorigènes. À défaut de pouvoir affirmer la supériorité des cellules souches embryonnaires, le rapporteur se contente de mettre en avant la prétendue plus grande facilité de manipulation qu'elles impliquent, comme si la facilité justifiait de passer par-dessus les principes. La troisième condition à l'autorisation de la loi impose que la recherche ne puisse être menée sans recourir à ces embryons ou à ces cellules souches embryonnaires. Or, de fait, aujourd'hui, compte tenu de l'état des connaissances, cette condition invalide sans conteste toute recherche sur l'embryon. Enfin, dernier prétexte, selon vous, je termine, monsieur le président, selon vous, les embryons surnuméraires n'ont pas d'autre avenir que l'arrêt de leur vie. Mais qui peut bien se prévaloir de notre avenir ? En réalité, merci, vous cherchez conclure. Une nouvelle fois à briser un tabou, celui de la non-marchandisation de l'homme. Vous niez le caractère transcendantal de l'homme pour vous rapprocher de votre objectif, que l'homme ne soit plus qu'un consommable et commercialisable. Merci, monsieur Bompard.